Bonjour à tous, bienvenue sur Généalogie Pratique. Nous allons voir aujourd'hui comment créer un arbre généalogique sur le site Ancestry en important un fichier GEDCOM. Voilà, nous sommes sur le site Ancestry. Nous allons devoir, comme d'habitude, nous connecter à notre compte pour pouvoir charger un fichier GEDCOM. Donc ça se passe en haut à droite. Vous avez normalement un bouton connexion. Vous allez devoir entrer votre adresse email et votre mot de passe et ensuite cliquer sur le bouton connectez-vous. Une fois cette opération terminée, vous arrivez sur la première page de Ancestry, votre page qui est adaptée à votre compte, pour charger un arbre, pour créer un arbre. Nous allons aller dans le menu Arbre. Créer et gérer les arbres. Et ensuite, tout simplement, télécharger un fichier GEDCOM qui se trouve ici. Je vais chercher le fichier sur mon disque dur. Je vais prendre mon petit fichier arbre de test. Voilà, il s'appelle arbre de test, ça c'est très bien. Ici, je laisse cette option cliquer, ça permet de dire à Ancestry que je veux que mon arbre soit partagé avec les autres membres de Ancestry. Description, là je mets rien parce que c'est un arbre de démonstration. Et puis, je vais cocher sur j'accepte les conditions d'utilisation et j'appuie sur le bouton télécharger. Un message m'indique que l'opération est en route. Le téléchargement de mon arbre est terminé. Et si je clique sur le lien, je vais arriver directement à mon arbre qui commence par mon arrière-grand-père, comme je m'y attendais. Et ensuite, on a toutes les différentes personnes qui sont incluses dans mon arbre. Donc l'opération a l'air de s'être très bien passée. Je vais cliquer sur mon arrière-grand-père pour vérifier le profil. Et là, j'ai bien une page profil avec tous les événements, quelques personnes de sa famille, mais c'est mon fichier GEDCOM qui n'est pas complet. Donc voilà, nous avons créé un arbre généalogique sur Ancestry en important un fichier GEDCOM. C'est assez simple, non?